Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un grand plaisir, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, d'être devant vous parce que je suis très content, parce que je suis je me porte bien. Dieu nous a bénis encore de voir le jour et vous êtes là. Vos réactions m'émerveillent de plus. Comment vous suivez cette émission? Comment vous réagissez à nos émissions? En tout cas, ça m'encourage encore une fois de plus d'aller un peu plus loin dans les réflexions que nous apportons, que nous vous apportons pour éveiller un peu votre conscience sur la République démocratique du Congo. Vous êtes très nombreux à m'appeler à ce temps des élections. Vous étiez trop nombreux à vous abonner. En tout cas, je me sens très bien. Je suis vraiment... très content. Il n'y a pas plus de mots que ça pour vous remercier encore une fois de plus que comme vous êtes là, ça me fait vraiment du bien. Et aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de plus, c'est Contact Pro Live. Nous serons un peu plus longs que d'habitude. Pourquoi? Parce que la matière que nous allons vous amener aujourd'hui, je crois qu'elle vaut la peine. En ces temps difficiles que traverse notre pays, à la croisée du chemin où nous nous retrouvons, où nous devons définir notre avenir en choisissant un président de la République qui vient pratiquement, qui rencontre nos desiderata, qui rencontre nos problèmes, qui a un programme qui nous rassure de notre 5 ans que nous allons encore passer sur cette terre. Espérons que Dieu va nous prêter vie. Vraiment, merci beaucoup encore une fois de plus. Je suis très content. Je suis vraiment comme je peux vous l'entendez, comment est-ce que je reviens toujours à ça dans cette introduction. Quand je regarde le message que je reçois tous les jours, je me dis, ça vaut la peine. Le travail que nous faisons est en train d'instruire. Comment les gens quittent un camp à venir nous dire que Germain, tu as raison. Et c'est là que ça m'émerveille. Il me dit, dis-moi alors quel candidat je vais choisir. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre candidat? Et je dis, nous sommes en train de réfléchir sur notre pays pour que nous puissions savoir exactement le réel problème. Surtout, nos frères du Nord Kivu, mes frères à moi du Nord Kivu, il y en a beaucoup maintenant qui me suivent. Il y en a beaucoup, beaucoup de milliers. Et c'est là, avant que nous puissions continuer, vous qui me suivez, vous qui aviez adopté à me prendre, à m'écouter, en ouvrant tous les jours mes vidéos, partagez ces vidéos, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, car vos abonnements vont encore augmenter la visibilité de nos émissions. Et c'est l'idée que nous avons, celui de la rétrocession du pouvoir à la base, aura vraiment une audience et que lorsque nous serons convaincus et lorsque quelqu'un viendra avec ce schéma-là en nous proposant ce schéma de rétrocession du pouvoir au niveau de la base, ça prendra forme et ça pourra sauver notre République démocratique du Congo. En tout cas, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de trois sujets très importants. Nous allons faire une petite analyse sur les 10 jours ou bien les 9 jours, 10 jours des élections, comment les candidatures des uns et des autres, les campagnes se passent comment selon moi. Quel est mon point de vue sur les candidats présidents de la République qui sont en campagne, qui vont dans l'arrière-pays, le Congo profond, où ils pensent trouver leurs électeurs, où ils pensent convaincre les électeurs pour ces 5 années à venir. Donc nous allons parler de ces élections-là et nous allons parler justement du schéma que nous pensons, comment est-ce que nous pouvons aller dans la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Quel est le chemin à suivre? Est-ce que ce chemin-là, vous le retrouvez dans les discours des prochains présidents de la République? À vous, nous allons en parler. Et puis nous allons parler de les discours même. Ça sera maintenant dans la partie de la campagne, donc dans la première partie. Et c'est ça donc les 3 sujets dont nous allons vous parler. La rétrocession du pouvoir au niveau de la base, la campagne électorale, les discours des candidats à la présidence de la République. Avant d'aller un peu plus loin, chers amis, comme d'habitude, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour développer nos sujets.
Voilà. L'actualité est prédominée par les réussites, les foules des uns et des autres. L'actualité est prédominée par le fait, comme les observateurs des élections, l'actualité tourne tout autour de la CENI. La CENI qui rassure, il y aura bel et bien les élections, préparez-vous. Et vous, les parties prenantes, préparez vos témoins, préparez comment est-ce que vous allez camper au bureau au bureau électoraux pour avoir les résultats bureau par bureau. Et c'est ça que les parties prenantes sont en train d'exiger à la CENI. Avant que nous commençons notre émission, vous avez vu la photo de Maître Dido de l'ensemble qui a été vachement tué pendant le passage de Moïse Katumbi à Kindu. C'était le représentant de la jeunesse de l'Ensemble pour la République à Kindu. Il y a aussi le cas de Chérubin, notre grand frère, qui n'est pas encore élucidé. On n'a pas encore terminé. Il n'est même pas encore. On ne sait quand est-ce qu'on va l'enterrer. C'est très malheureux. Donc, une pensée pieuse à la famille de ces disparus, et puis que nous souhaitons donc que ces âmes reposent en paix et que leur combat ne restera pas inutile. Leur combat servira justement, leur sang qui a coulé, c'est pour justement le combat que nous menons tous, la République démocratique du Congo, la libération et la démocratisation de notre pays, l'émergence de notre pays. Voilà le sang qui coule, que nous évitions, nous avions dénoncé, nous ne voulions pas ce que ça arrive. Mais malheureusement, Makila Ezakotanga Kakaboe. En tout cas, Dido, repose en paix, que ton âme vraiment repose en paix, vous serez reconnu, nous insisterons à ce que vous soyez inscrits dans les héros de la lutte pour la libération de notre pays. Alors, ça, ce sont les incidents. Donc, un incident, le premier incident, pendant la campagne électorale, vachement, que nous déplorons en tout cas. La campagne électorale a été lancée. Sur terrain, nous avons beaucoup de candidats qui sont en campagne. En commençant par Moïse Katumbi, qui a commencé dès les premiers jours. Il y a eu le président Félix aussi, s'est lancé déjà dans la campagne à partir de Congo central. Il y a timidement a suivi Mukwege. Après Mukwege, nous avions vu Fayulu qui est aussi est sorti pour aller reconquérir son électorat de 2018. Rappeler aux gens que Baïba qui est Bokonzinae, c'est comme ça qu'il est en train de rappeler. Il y a Constant Mutamba qui est aussi en campagne. Il y a aussi ce que nous appelons la campagne médiatique sur les réseaux sociaux. Nani a ko gagné, nani a ko pola. Nani a za ko pe sa assurance ya ko gagné ba élection oyo en voyant les foules. Lorsque nous regardons d'abord na côté à ba foule kaka, comment qui draine beaucoup de foules. Moi je peux dire en premier lieu c'est Katumbi parce que c'est Katumbi maintenant qui a beaucoup plus de régions, de provinces où il est parti et beaucoup de villes où il est parti. Je ne suis pas ici pour faire sa campagne, mais vous l'avez remarqué, il est parti, il a commencé à Kisangani. Aujourd'hui, il est dans le Haut Katanga, là-bas, dans le Lomami, je crois.
Il était à Moba, il était dans ces petites villes là-bas. Il est en train de cartonner là-bas d'une manière que Boutchechenaé et Zakosala mystique. Je ne connais même pas la signification de ces mots-là, mais on dit que Boutchéché, Boutchéché. J'espère qu'il nous expliquera que Boutchéché Zanini. En tout cas, Katumbi fait le plein. Katumbi de Goma, par-ci, par-là, où il est passé à Butembo, par-ci, à Beni, partout où il est passé, en tout cas, il a été accueilli à bras ouverts. Nous avions vu son langage en campagne, comme un homme d'État, un leader. Et ça, je peux pas passer ça. Katumbi a montré son leadership. Il s'impose par son leadership, son franc-parler, comment il entame sa campagne, comment est-ce que Azako Arangé Bafouluana, comment il les entretient. En tout cas, Katumbi, chapeau bas. Tu as fait un bon travail, en tout cas tu continues à faire ce bon travail, mais maintenant, ce qui reste, c'est à savoir, bah, discours Nabino Tamboza Koloba. Est-ce que vous êtes en mesure de réaliser ce que vous promettez au peuple congolais? À vous de savoir vos tactiques et vos techniques. Mais la campagne, Oyo, en tout cas, Oyo, Azako, drainé, Bafou, les belés, selon moi, Naba, image, Obisonyo, Sotozo, Mona, Katumbi, Aza, le premier. Comment batu bazako akeyiri anguma wana ezali en tout cas ba kwak mon côté et jusqu'à ce que Dido aeko kufa à cause justement frustration il y a pouvoir en place parce que c'est lui qui a tué Dido c'est un militaire qui du gouvernement. Les enquêtes sont encore en train d'être parce que c'était de balles réelles ezaki ba balles réelles. Alors bon, Monica donc Katumbi, moi je pense qu'il est en avance et il a démarré en trompe. Et il montre leadership naïe. Conséquence, n'a qu'au démarré, on a attiré déjà quelques candidats qui se sont rétractés pour lui. Notamment Seth Kikuni, notamment le vieux, comment il s'appelle, Oh, c'est rallié Nae Kombo Ekoya. Et puis, il y a aussi des personnalités comme Jean-Claude Bwemba, qui se sont... Donc, na Babilo, on a Mata Tamponio, Azana Katikuna, na Frank Diongo, dont j'ai cherché les noms. Donc, Aza déjà na ba candidat président Misato, oh, ba désister pour Nae. Voilà un peu le sens du leadership. Eza parce qu'il a démarré en trompe et puis discours na yena campagne, Eza kola ki sa espoir ou Aza kope sa nakati a bafoul. Donc, déjà trois candidats, Azela kite, j'en parlerai aussi un peu plus tard, pourquoi la candidature commune Eza konanite. Alors, ce qui toke pa ya président Félix, moi déception Ezali bandeko. Bo permettre ngana loba, moi déception Ezali parce que Félix, déjà, tant qu'il a démarré la campagne na Kinshasa, c'était bon. Batouba Yembaki, quoi que moko, tomoni ke Batouba Zalaki koya ko Lukambongo et pas à Félix, parce qu'on sait que Félix distribue de l'argent. Et c'est normal, parce que les candidats au Bazana pouvoir sont supposés avoir beaucoup d'argent à distribuer. Ça, c'était tomona ki ba image. Comment on distribuait de 5 000, de 5 000. Donc, stade de tonda qui batoué belé, l'accès qui coûte, frustration na bango, et d'ailleurs, même ici en Afrique du Sud, ezana moi, kokoso ezali, awa na campagne nae, jeune moko à Pretoria, bazako réclamé, mbongo. Donc, c'est ça un peu, na campagne à Félix. Tant wake na matadi, akutani kuna na opposition moko, ba tu bazako rappele bilan na ye, ba ebsi asala ki lo kote, ba tu ba ololie, mouibi, ake na kote ambandaka, et il a voulu même se rétracter à un certain moment en disant, azako kende na COP 28 kuna na kote Arabie Saoudite. Alobi ki a suspendre campagne na ye. Biso to banzi ke, c'est justement à cause de cette résistance, na moi soni moko oyo, par rapport à Baninga Moussous, Nenge Babimaki, hier à Bakomi Kokololae, Alinga qui est un peu à freiner. Je crois que l'équipe n'a pas campagne, va faire réfléchir et Balobito Kendekaka. Mais, à Wana Kote Abouni, à Kuna Place Azali, c'était encore un désastre.
désastre moko ya mobimba ti ya lobby. Est-ce que misala on a banda ki esalemi peuple lobby ke esalemi te? Et moi je vis un sourire sourire nanani na disons posture même ya président de la République et ça là qui moi bien te et ça là qui rassurante et puis c'est comme si intérieurement il commence à se poser beaucoup de questions. Voilà un peu sur la campagne de Félix. Mukwege par contre, c'est un intellectuel. Mukwege azakoya batuba yebie comme docteur prix Nobel de la paix bayoki makambunaye comment azako se projeter à pesi espoir. Et là comment kopé na koloba na campagne a failli. Yanani ya Mukwege une très très bonne campagne intellectuelle azako la ki sa réalité à Congo. Azako pesa oya ko kiko sala. Il est vraiment lui. Il ne promet pas beaucoup, mais il a présenté un plan. Yé, campagne na yézali beaucoup plus sur la paix. Quand vous l'entendez, Azako insistait beaucoup, parce que lui, il a dit que sans la paix, il n'y aura pas de développement. Il faut que acto kende na paix. Donc, campagne na yézali malamu. Partout il est passé, à Bandaki, à Komangi na Bukavu, à Komangi na Matadi, à Komangi, bah, place n'y soit passé. En tout cas, la paix a été vraiment... y a un intellectuel. Et puis, discours na yé, et ça discours à la campagne à la politicien t c'est un discours c'est une campagne y a la technocrate ou azako ko présenté azako ya commis pèse à lobby ngai boloba kingana za la candidat voici ce que je pense tozomona ba tricoté tozomona ba extravagance c'était comme fait Katumbi non na Goma et puis partout il est passé en tout cas campagne à Mukwege ezali campagne moko ya espoir. Et que ba intellectuel ba toi ba ya na esprit ya ko kanisa mboka na biso na ndenge il faut kende en tout cas voter pour Mukwege. Alors toke na Constant Mutamba. Constant c'est un jeune, il est en train de faire ce qu'il peut. To moni azala ki dernièrement zaki na inongo silence moko ba fulte na ebite soki a ko continuer na ma média. Aujourd'hui je crois qu'il doit être à Kisangani. Toko zwape ba image toko talango biso nyoso na ba réseaux sociaux mboka o e koma mboka ya ba disons monde ya ba réseaux sociaux ba image eza par-ci par-là e koyaka. Alors je veux parler aussi une chose ici et loko moko naza ko remarquer na lobela ki yango sur Christian Bosembe na ba candidat président de la République. Jusque là nanu na moni interview mon côté, en tout cas si vous aviez vu peut-être ngai nanu na monité ya oyo Christian a prévoyé qui que ba candidat ba défiler na RTNC. Je vous avais dit que beaucoup de candidats se sont rétractés ba boyi makambwana. Wana signifie ki nini? Mes chers amis, ça c'est un signe que le peuple n'a plus confiance à cet état congolais. Le peuple congolais n'a plus confiance à cet état congolais. Makambunyo sozala na RTNC, tout ce qui est état congolais Eza Kimoyibi. Et c'est comme ça que beaucoup de ces candidats, surtout de l'opposition, ont dit que non, makambwana ba radio anakuna ya télévision RTNC tobo yango. Par contre, ils font confiance beaucoup à Top Congo. Chapeau à Christian Lusakweno. Chapeau vraiment. Chapeau pour na ba radio. Et puis Jean-Marie Kasamba reçoit les gens et vous sentez que beaucoup battu y a pouvoir basé en difficulté. Dernièrement, nous avons vu Lambert Mende. Nous allons aussi faire chapeau à notre confrère Israël Mutombo qui met en difficulté Batu Oyo, il y a pouvoir. Et c'est ça donc que le média, Oyo vraiment, les médias ont joué un grand rôle dans la campagne Oyo. C'est comme ça que j'ai dit, peut-être constat, Azako Kende quand même, mais je crois que dans deux semaines, Oyo et Tikali, Ako se concentrer beaucoup plus dans les médias. Que sur terrain, parce que sur terrain, tout le monde a drainé la foule. Ce qui toque pas Fayoulou, azako sala makambuna nenge moko, ya ko rappeler électorat na ye. Il rappelle son électorat que Félix Tshisekedi lui a volé le pouvoir et que beaucoup de gens ont encore cette. Bazana nuna na banani wam basekel wana ya ko linga Fayoulou. Fayoulou part favori. Bozomona, Fayoulou part favori à cause de ça, de y a échoué ou bien Bayiba qui est Bokonzinaï en 2018. Il part favori et Azako partout où il est,
même sans député, comme on l'avait reproché, comment il voulait partir encore à Zongi, tout ça. Mais malgré ça, partout où il passe, les gens le réclament. Et puis moi, je peux encore avouer une fois de plus, Fayou Lwazana tact wana a kwarange foule. Donc, il connaît la campagne électorale. Nandenge à Congo, Azali kuna. Et puis aussi une chose, batu mingi mingi, bon, naibite soki bozo mona ba tricot, tout ça, ba drapeau, tout ça. Non. Na ba meeting ya Fayoulou, foule les Ali wana. Baza koya sans que ba exige quoi que ce soit, bazo ya ko kope sa el susu, moi sa pote nae. Voilà un peu ce, un peu, nandenge à ba campagne électorale, comment j'observe ça. Alors, tout passer na sujet moussousou, autant que l'on a un discours, où ils ont convaincre jusque-là, na ba candidat na biso. Moi, je pense que le discours qui convainc le plus, encore une fois de plus, c'est Katumbi. Katumbi a la facilité, yako lobana foule, et puis yako exposé le candidat au pouvoir. Candidat à sa succession, aza. Il s'attaque maintenant entre les deux. Bah discours na bango ezali lisusu discours ya ko expliquer planter ou quoi que ce soit, maintenant c'est de gagner la foule. Et là encore je peux donner en tout cas 9 sur 10 sur Katumbi, parce que maintenant place nyo soto aza ko kende azola bat nyo soto baza ko ebise papa na biso salela biso, et puis il promet aussi malgré ça. Katumbi promet Azako promettre batu. Et c'est sans sur ses promesses qu'il sera jugé. Et Katumbi sait que ce que Azui Bokonzi, Babilo Kwana, moi je pense qu'il est capable de réaliser ça à Kolo. Alors, nous allons nous dire une chose vraie. Ba discours à Mukwege, c'est le discours le plus logique possible. Parce que Mukwege parle de la paix et de la réorganisation du pays. Suivi du discours de Deli Sesanga. Deli Sesanga discours na eza refondation à pays. Eza ko se rapprocher na discours ya Mukwege. Refondons le pays, mais toko refonde ango neye nini. Il faut qu'il y ait d'abord la paix. C'est comme ça que j'ai dit, ba discours ya Mukwege, na discours ya Deli Sesanga, eza ko match. So ki ba toti ango ensemble, ça peut faire quelque chose. Mais maintenant, so ko tali discours à Fayoulou, beaucoup plus victimisation. Aza ko linga a récupéré, omoni Fayoulou tango a... Baibie Bokonzi, c'est un atout. Batubaza koyoke la eba linga ki Fayoulou kala. On a voté le président Fayoulou. Il n'a plus à vous promettre. Fayoulou aza wana aza ko rappele bino kaka ke non. Bokonzi nangai, baibie la kingai. Et pour ça, le peuple n'oubliera pas. Le peuple n'est pas prêt à oublier Fayoulou aujourd'hui. C'est comme ça qu'il draine les foules. Aza ko loba nini na katia ba meeting nae. Mingi mingi aza ko évoquer likambo 2018. Mingi mingi aza ko loba ke non ngai nde mutu nazala ki Bokonzi. Plan directeur, le budget, il ne promet pas beaucoup, mais il se présente comme Fayoulou auto linga ki na 2018. Voilà. Et puis soki to suki si awa na ba discours ya batu mususu o baza ko ya, j'ai bien dit Deli Sesanga c'est la réponse. Non, parlons maintenant de cet engouement. Nani nde aza penza ko kende na modèle ki ako gagner ba élection oyo. Alors stratégie ezalaki ke opposition ba sangana ba zwa candidat comme moko, et sur ce plan e kapota ki pona nini, parce que tous je crois qu'ils sont en train de reconnaître que non, Fatshi a commis faible. C'est pour cela que ça a capoté candidature commune. Bango nyonso ba komi ko yeba ke ata mwana muke, ata ki que ce soit, ata Constant Mutambaza wana contre Fatshi, bango mi balé face à face, Fatshi a kozala na sikate. C'est comme ça qu'ils n'ont plus cette idée là ya ko se réunir ensemble. Awa na Afrique du Sud ba sala ki eloko wana. Na yebite si dans ces deux semaines bako ki ko zonge la bazonga ensemble te. Na yebite so ki ko yoza la possible, mais je ne pense pas. Thank you.
compris la faiblesse de celui qui est au pouvoir, va comprendre que non, Félix est en difficulté, son bilan est négatif, largement négatif. Azako se fier sur le couteau ébélé. Donc n'importe qui a ko gagné. Mais maintenant, Katumbi a démarré qui en trompe, à la kisi sans son leadership. Ainsi, Matata a rejoindre, Seth Kikuni a rejoindre, Nani Vienabiso, Frank Diongo a rejoindre. Voilà déjà que lui, il a déjà un certain nombre de gens derrière lui. Fayoulou, par contre, on apprendrait. Mais à Demantaki, il a dissipé cette rumeur en disant que Balingi va se coaliser na Félix. Mais beaucoup de gens aussi voudraient voir la candidature. Il y a Fayoulou, na Mukwege, est à la commune. Mais lorsque vous suivez ces gens, je viens encore une fois de plus de suivre Mukwege, et là que ezo zangaye, ezo cette leadership ya kolobana kende kuna naza kosala boe tout ça. Vous sentez que Mukwege est beaucoup plus intellectuel, mais sans sa leader, je ne pense pas vraiment. Leadership penza kolobake non. Je vais convaincre les autres de venir auprès de moi. Pour na convaincre Fayoulou ya epanayo. Et ça, moi, passe. Et puis lui-même a posé cette question. Pourquoi est-ce que je dois me lier avec Fayoulou? C'est comme ça que je me dis, Bokendekaka, que tout le monde puisse tenter sa chance. Pourquoi? Parce que Moutou maintenant, comme il y a un sens, il y a un proudness, il y a un koloba. Non, Tokendekaka, on a gagné, parce que nous savons bien que Félix est en difficulté. Attention, Félix peut vous surprendre. Ne négligez pas, comme Kamera a dit, ne négligez pas l'adversaire. Il faut toujours mettre tout de côté. Ce qui bisogno soba congolais tolingi Congo oyo. Il était temps c'est que toyo kanato tia ba candidature na biso commune to kende même pas à Katumbi, mais en allant là-bas tout se focaliser sur le réalisme. Qu'est-ce qu'il va falloir implémenter lorsque nous aurons le pouvoir? Nous voyons que Katumbi a le sens à ba réalisation à ba biloko belé. Il est plus dans faisons les histoires, nous allons faire les routes, nous allons construire ceci, nous allons beaucoup plus voir, beaucoup plus de grandeur, sans voir le fondement. Mukwege, lui, c'est la paix. Nous ne pouvons pas avoir un développement sans la paix. Et ce sont là les discours que moi je me dis, qui sont peut-être, ça ne donne pas une sens d'unité. Alors, s'il faudrait que Bazala en commun, il faut vraiment vendre. Je parlais à quelqu'un d'autre, je me dis, les Congolais sont toujours comme ça. Ils sont toujours pris de court à la dernière minute. Et là, ce qui va préparer Kayango depuis Kala, une année avant Balobi, voici le grand problème du Congo. Comment est-ce que nous pouvons le résoudre? Et comment est-ce que nous allons y travailler ensemble pour que nous sommes trempés dans le délice. L'opposition a été distraite. L'opposition a été distraite. Ils ne réfléchissaient pas. C'est comme ça que j'ai dit. Les 37 ans que l'UDPS est passé dans l'opposition, il n'a pas réfléchi sur le Congo et où a Kokaiko implémenté. Il n'a pas réfléchi sur ça. Ce qui a salaki ango et Kokaiko Zalalsusu, difficulté à Koloba. Voici le grand problème du Congo. Nous, l'UDPS, nous allons faire ceci, nous allons faire ABCD. Félix est venu au pouvoir, peut-être par accident, Andima Kate qui a eu le pouvoir. Et même jusqu'aujourd'hui, Nakati a ba parti politique au Tozanango, il n'y a pas de personnes qui réfléchissent sur le réel problème du Congo et lorsqu'ils vont obtenir le pouvoir, comment est-ce qu'ils implémenteront les solutions pour le problème du Congo? Bazalakate, ils ne sont pas là. C'est ça qu'aujourd'hui nous sommes pris de court et ça pratiquement impossible que Tozalana candidature commune ou Tokokiko se basé sur un programme. Un programme ne se fait pas dans un jour. Le programme ne peut pas se faire dans un jour pour élaborer le programme. Vous allez rater. C'est ça le mal de cette opposition-là aujourd'hui. Alors, Moutouna Moutoui, comme il y a un leadership maintenant qui prime. Nani a ko drague baninga na simanae. Et tant que vous avez na simanae, ça sera dans quel but? Ça sera encore des combats. Nous pourrons encore faire des mois avant de trouver un gouvernement. Boba Banda Moussala, Félix a problème. Nous avons fait 9 mois sans gouvernement. 9 mois, imagine-toi que Bali a un mandat. Maintenant, nous nous retrouverons dans la même situation où peut-être un autre opposant sera élu.
mais programme nini tant que la réalité sur terrain ko beta tant que soit la majoritaire na parlement en principe ceux qui vont gagner ba élection bo bandi déjà en trompe. Je peux souhaiter que Katumbia gagne et azala la majorité na parlement et que directement on a un premier ministre tozana to bandi ko implémenter ba programme qu'on passe plus le temps à faire des conciliabilités, tout Luca, tout concilier la majorité, tout ça, ça nous prend du temps, na katia parlement. Ça nous prend du temps à commencer de travailler. C'est ça justement qui nous a essayé un peu de nous là. Donc, candidature commune pour clôturer ce chapitre-là, Ezali possible était pour l'instant. Candidature commune est possible était peut-être par regroupement Nenge Katumbia Zana Batusimanae. Peut-être, on ne sait pas, peut-être dans les deux semaines, quelqu'un va rejoindre l'autre, comme Mukwege disait, pourquoi lui est-ce qu'il peut aller rejoindre Fayoul? Fayoul aussi va se poser la même question, pourquoi est-ce que Mukwege doit venir me rejoindre? Alors, pour conclure ici, nous devons faire passer l'intérêt de la République démocratique du Congo avant. Et comme ici, il y a un intérêt personnel, moi je peux gagner parce que Félix est faible. Wana Congo ko avancer. Nous avons besoin que bisonyo sotoza la lisanga toza la na programme moko batuna batuba utiliser batuna bango pour que Congo ekende liboso. Voilà un peu sur le dossier campagne électorale et maintenant nous ici comme je vous disais l'idée doit être rassembler les Congolais à travailler à reconstruire l'état. Le vrai problème du Congo comme je vous dis toujours. Le vrai problème du Congo, c'est l'État congolais. Et c'est cet État congolais, ce n'est pas les étrangers qui vont se mettre pour nous construire un État congolais. C'est nous-mêmes. Et c'est comme ça que moi, je vous ai toujours demandé de déceler les couacs dans les discours de ces politiciens-là. Est-ce que Bazako s'est focalisé sur la reconstruction de l'État congolais? Nous ne pouvons pas construire un État. Nous ne pouvons pas nous développer dans le désordre. Ce n'est pas possible, Bandeko. Bisso awa tozo kanisanini, qu'est-ce qui peut nous réunir? C'est cette paix-là dont nous recherchons. Paix koya ndengenini. J'ai suivi Mukwege, malheureusement, je me suis dit, ok, il a l'aura internationale, peut-être à Kosololana batu alibanda pour que Makambwa este bonga. Mais le Makambwa este kobonga te so ki okutanisi ba peuple congolais ensemble, te ba vivre ensemble. C'est dans l'interne qu'il faut travailler. La paix s'obtiendra en interne, en République démocratique du Congo. La paix ne viendra pas par les armées étrangères. La paix ne viendra pas par la MONUSCO. Moi, je déplore ça dans le discours de Mukwege. Je n'ai pas entendu là où il a parlé de la cohésion nationale. Je n'ai pas entendu un plan pour la réconciliation nationale du peuple congolais. Et c'est là où moi j'ai évoqué en disant, ici à Contact Pro Live, nous réfléchissons sur un programme ou bien un projet de société qui mettra en accent le renouveau du Congo. Totongambo Kasika, en rétrocédant le pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons réorganiser maintenant le peuple à avoir confiance d'abord en eux. Ba peuple ba yo kana, to ye banake, yo za mswahili, yo za mungala, yo uti ba Congo, yo uti wapi, oye awa. Voici ce qui nous met ensemble, c'est l'État congolais. Et cet État congolais doit s'obtenir en interne. Et c'est par là que nous pensons que nous devrions commencer. Toko bandango ndenge nini. J'avais appelé au président Félix en 2020 en lui disant « Pardon Félix, Tobandela zéro. Tokobandela ngoneni. Tokobandela en appelant les états des lieux de chaque territoire. Tokomalisusu, constitution asika pour que nous puissions passer à la 4e république. » Je suis très content aussi parce que Marie-José Ekofo, un autre aussi candidat femelle, donc il y a moi aussi, Oyo apostilé. Il en parle que nous devons reconstruire le Congo. Et pas le schéma pour nous ici à Contact Pro Life, c'est la rétrocession, donc l'appel aux états de lieu de chaque territoire. Que dans les territoires, Batouba Zouakaba consensus nan. Que les gens qui sont dans les territoires se mettent sur une même table en disant voici où commence notre territoire, voici où ça se termine, qu'est-ce que nous avons, quel est le souhait pour un nouveau Congo pour nous, comment est-ce que nous allons faire fonctionner l'administration dans notre territoire pour que le peuple n'y ait pas confiance dans l'État.
Et nous, nous avions dit, la mission de ces états de lieu dans chaque territoire devrait se dérouler, nous parlions ça en 2020 pour Félix en disant, Félix, pardon, Tobandela à zéro, en appelant les états de lieu de chaque territoire, qui pourrait peut-être prendre 3 mois, Batoubazo solo là. Nini ça la corruption est là. Qu'est-ce que nous devons changer? Nous faisons un draft pour que nous puissions avoir un draft, donc ébauche à une nouvelle constitution où il faut faire basculer Bisson à 4e République. Et c'est là où nous avions donné le plan à Koloba. Batou na batou, les politiciens, les personnalités dans les territoires se mettent ensemble pour réfléchir sur une nouvelle constitution. Ça, c'était la première mission. Deuxième mission, Kozala, Sizoana, et Kozala en charge, il y a qu'on désigner Batou ou Bakosala, identification de la population. Na territoire, na katia territoire, to sali ba fichier à identification. Nani aza nani? Qui habite notre territoire? Batuo ba simba mando ki na ba territoire wana ya ba o ezana ba kokoso, ba territoire wana nyoso, il faut batuana ba simba mando ki ba ya ko s'identifier. Et les groupes armés, ba ya ko kota na masolo na niveau territorial. C'est comme ça que j'ai dit, même la guerre du M23, tango ba ko benga ba tu ya Nyiragongo na territoire ya Nyiragongo, bo ya ko sala état de lieu ya territoire ya Nyiragongo, ceux qui ba M23 ba ko zala ba lingi ba balobi ke baza ba congolais, qu'ils envoient leur peuple, leur délégué na kati ya ba six wana to solo la, poto tia mando ki na se. C'est par là que nous allons nous parler en disant te awabiso boe bobo to sali identification to yebi nani tu nani aza nani na kati ya territoire na biso to sali ba texte wana to tindi yango siko na niveau province na niveau province nde to kotinda batu wana 10% ya bato ba se réunissa to tindi yango na nouvelle na province siko ba komi siko na assemblée moko ya munene pona ko harmoniser ba texte oyo batu ba sala ki na kati ya ba territoire. Pendant ce temps-là, l'identification et la réorganisation de l'administration territoriale est qu'on se mettre en place par le biais y a état de lieu wana. C'est le schéma que nous pensons ici. Schéma wana de kotin di kabiso sikoyo na place à kozwa une nouvelle classe politique à batu. Et les technocrates na batu baza ya bwanya. Personne ne pourra s'improvisionner comme un député ou quoi que ce soit. Batu wana tangu bakoya na province, ba harmoniser mission na bango kozala nini, harmoniser les textes qui viennent des territoires dans le province. Tangu bako harmoniser yango, bako tinda 10% ya batu na bango wana bako tinda yango na niveau national. Okomona ke toza ko yungulula ba tête brûlé nyoso o ba salaka balingi ko ya kotia ba trouble ka na pays na biso batombaka ba msuba utika ka poto ba eka mbala moko oyebi ete akomi ko senga ko ma député. Batu wana bako yeba na procédure wana e komi siko na niveau national où les gens vont maintenant se réunir pour réécrire en fonction des desiderata ou outinase baya kosa la siko yo constitution asika. Et pendant ce temps-là, le gouvernement central oya mutu oya kozala eli président de la République a kozala kaka a assuré ba affaire courante pour que nous puissions avoir une base solide sur laquelle notre pays sera assise. Bandeko atato tongi ba balabala, atato tongi ba bâtiment, tant qu'il n'y a pas une réconciliation nationale, tant qu'il n'y a pas de procédure légale au tozebi que non. Tongo yuko sala boete, awa, pose à la commissaire du peuple ou bien à la députée. Voici comment est-ce que tout. Nous devons réécrire notre histoire. Comment gestion ya bambongo na kati ya ba territoire et kokiko zala. Parce que là, nous aurons un consensus. Batu bakoye ba na balobin, kitanabiso na territoire eza autant. To tinda ka yango, to tinda ka autant. To exploataka, ba exploitation na biso ezali autant. Batu na batu bakoye ba na. Ça, dans une ambiance collégiale, batu baza na paix. Okomona ba bitumba wana nyoso kuna na kati ya ba province wa ezana ba kokoso ya ba nani ekozalate. Et là nous avons un autre plan à Koloba. Comment est-ce que nous pouvons terminer cet état d'insécurité? Et nous avions dit ici que recrutement ya ba institution par exemple neti armée de la République ou une armée républicaine. Et je suis très content ici parce que Mukwege nous a rejoint. Bakozala recruter au niveau des territoires pour avoir un ensemble
Mais il ne sera pas recruté comme ça sans identification. Ça sera justement après l'identification. Mais entre-temps, nandenge tangu baza ko sala identification, nakatia ba zone wana, ils s'identifient et ils forment une police de proximité. Oyo bango ba ko reconnaître ba koloba. Ba oyo, par exemple, 3000 hommes oyo ne te reconnaître na état de lieu kende bango mtu baza ko sécuriser na nos territoires na biso en attendant que to kende ko sala armée républicaine. Et là, le docteur Mukwege en a parlé tout simplement de l'essence du recrutement, mais il fallait un peu aller un peu plus loin en disant que cela devrait se faire après l'identification, après que nous ayons terminé ce problème-là de l'identification des Congolais. Vous ne pouvez pas commencer à recruter comme Félix est en train de faire. Oh non, nous avons recruté 40 000 hommes. Ce côté 40 000 hommes, wana, banani nde baza kuna. Est-ce qu'ils sont identifiés? Est-ce que vraiment certainement ton wiko ye baba outi wapi? Tozana nous na fiché à ba Congolais té. C'est par là que nous devrions commencer. Bandeko. Émission Zalaka Boutam, Boué Boutam, Zalaka Elengi. Tant tozo koma na ba place moko oyo. Mais malheureusement, le temps qui nous a imparti, Tokosu Kana noa walelo. Avant que nous partions, parce que Eza suite, Tokosala, émission Moussousou, pour Nakola Kisabino, comment est-ce que nous pouvons y arriver? Abonnez-vous d'abord, vous qui n'êtes pas abonné. Ba abonnement na bino, na ba partage à émission oyo, et servaka ebele, tangu, pour na ko visibilité à ba émission na biso. YouTube aza ko pesa biso crédit, tangu aza ko mona ke boza ko s'abonner, tangu boza ko partager. C'est pour cela qu'au début j'ai dit, j'étais très content de voir que vous êtes en train de vous abonner nombreux, massivement d'ailleurs, et que aza ko pesa ngal sou mwa nguya, na continuer qu'on réfléchir pour nambo kanabiso. Alors, Tokosuka walelo, merci beaucoup encore une fois de plus. Cliquez sur la notification, la cloche de la notification, parce que batu msusu, ba yaka komo na ba émission tangu msusu, na kati ya ba groupe mtu moko asale. Mais soko cliquez na notification, dès que totie kaka émission, okozala déjà notifié na kati ya boîte na yo, ou bien na kati ya nani ya SMS ya na téléphone na yo. Merci beaucoup, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.